c'est très rare que je commence un vlog aussi tôt le matin. Aujourd'hui, c'est le grand départ pour Lyon pour la fête des Lumières. Je ne sais pas encore comment va se dérouler vraiment la totalité de ma journée. Le matin, je dois aller sur Saint-Priest récupérer le fauteuil Hago Pride Mobility Carbone. L'après-midi, je ne sais pas trop comment elle va s'occuper. En tout cas, normalement, je dois avoir rendez-vous à 19h30 au parc de la Tête d'Or. Entre-temps, bah, je vous dirai ce qu'il en est et comment cette semaine ou cette fin de semaine se goupille jusqu'à lundi. En tout cas, il y aura pas mal d'imprévus et une grosse journée qui m'attend puisque je vais à Lyon à pied et avec deux valises. Donc ça va être un gros challenge, mais qui me fait pas trop peur. Voilà, je vous dis à plus tard, sûrement dans le TGV. Il est 4h, je suis donc à l'arrêt de bus. On en a vu un passer. Je me suis dit, oula, on va louper le bus. Mais en fait, c'était celui d'avant, celui que j'avais prévu. Donc en fait, on en est extrêmement en avance. On a presque une demi-heure à attendre. Mais tout va bien. Je serai dans le train de 5h52 pour Lyon pour aller récupérer le fauteuil à deux. Et la suite des événements devrait plutôt bien se passer, bien qu'il y ait déjà eu un premier imprévu ce matin en apprenant qu'Alexandre ne viendrait pas sur Lyon à cause du Covid. Voilà, donc petit changement de programme. J'ai plus qu'à prévenir les collègues de ce matin à mon arrivée. Alors, il est 8h30, je suis dans le tram pour aller rejoindre Saint-Priest pour aller chercher le fauteuil. Par contre, le reste de la journée va être largement modifié puisque finalement je rentre ce soir et je ne profiterai pas des illuminations de la fête des Lumières parce que pas mal de gens autour de moi ont le Covid ou des contretemps, du coup je peux pas assurer le reportage. Donc j'ai une série de mails à faire dans la journée et le vlog sera bien uploadé demain. Alors la blague, c'est que je suis sortie une station trop tôt du tram, donc j'attends le suivant pour ensuite prendre le bus pour rejoindre Saint-Priest et ensuite aller faire des mails, prévenir que j'annule le tournage, appeler certaines personnes. J'en suis vraiment désolée, j'aurais trop aimé. Mais voilà, les conditions ne sont pas réunies. Je vous en dis plus un petit peu plus tard. Bon apéro! En fait, si tu veux, pour cet été, parce qu'il faisait trop chaud. Merci. Bon apéro. Bon apéro. Plus rien du tout. Plus rien du tout. Voilà, il est 13h, je quitte Pride Mobility avec le fauteuil dans le coffre. Je suis dans le Uber direction Bellecour qui me sauve bien la vie. Merci Flavien pour le Uber. Tu m'apprends quelque chose si tu regardes mon vlog d'aujourd'hui. Voilà, donc ça se décante pour ma journée. C'est chouette. Je vais pouvoir tranquillement faire ce que j'ai à faire aujourd'hui du moins. Et ça, c'est chouette. On se dit à plus tard. Alors je viens de tester cette rampe à plus de 100%. Hein. Je pense qu'on est d'accord là-dessus et que non, niveau accessibilité là, allez, c'est un moins 20. Il y a la volonté, mais la sécurité n'y est pas. Voilà, ça rime avec insécurité. Encore une fois, c'est comme pour le funiculaire. Alors comme vous l'avez vu dans les images précédentes, j'ai testé une rampe. Enfin, je vous ai montré une rampe que j'ai testée, mais on n'a pas filmé. Mais c'est pas du tout aux normes, c'est n'importe quoi. Là, je suis place Bellecour. Et donc, je vais tester. Voilà. Je vais tester quelque chose, on verra bien si ça marche, tout ça, tout ça. Voilà, bah écoutez, je retourne chez DJI. À tout. Voilà un petit aperçu de la fête des Lumières, c'est place Bellecour. Nous, on pourra malheureusement pas y participer finalement cette année, mais
ce n'est que partie remise. C'est pour des raisons entre autres de sécurité et puis des cas de Covid dans l'équipe, ce qui fait que ça ne nous permet pas de réaliser dans les meilleures conditions nos reportages de la Fête des Lumières. Et on voit, merci Marie, au fond, vers Fourvière, si vous zoomez un petit peu. Voilà. Voilà, Fourvière qui s'illumine doucement. Il y a déjà du monde, hein, bien que ce soit la veille, la grande roue. Non, franchement, il y a aussi des trucs de sécurité qui vont pas au niveau accueil PMR pour le tournage. Ben voilà, c'est pas top. Je suis dans le local Accès Plus. Et là, on est en train de voir pour me réceptionner à Paris, ce qui n'est absolument pas certain. Pourtant, ce matin, on m'avait dit OK. J'ai demandé effectivement, on m'a confirmé pour changer de billet. Donc j'attends de voir. Pour l'instant, j'attends de voir. On verra bien qu'il en est. Voilà, c'est dans le train, le TGV 6034 que je mets fin à ce vlog après des péripéties. J'ai failli oublier un de mes appareils photo professionnels à la gare. Heureusement, bon bah ça route, je vais vous dire un truc, ça route le train, mais à part ça, bah en fait le gars d'Actiplus nous a fait partir tellement à l'arrache que bah voilà comme. Donc mais tout finit bien. Messieurs, bonsoir, je suis Pascal, votre chef de bord, accompagné aujourd'hui d'Alexandre et de Thierry, notre conducteur. Nous vous souhaitons la bienvenue à bord de notre TGV Inouï numéro 6634 à destination de Paris-Gare de Lyon. Nous desservirons les gares du Creusot au TGV et Paris-Gare de Lyon, notre terminus, avec une arrivée prévue en gare à 23h09. Quant au barista, vous accueillera au bar en voiture 4. Notre propreté assurera le tri sélectif de vos déchets, le nettoyage et la propreté de votre TGV. Je vous rappelle que l'étiquetage des bagages est obligatoire avec nom et numéro de téléphone portable. Les plateformes vous permettent de passer vos appels en toute discrétion. Deux espaces nursery sont à votre disposition, voiture 7 et voiture 1. Avec le portail TGV Inouï, vous avez accès à un large choix de films, de dessins animés, de documentaires, le parcours de notre TGV en temps réel et un accès gratuit Internet. L'ensemble d'équipage et moi-même restons disponibles pour toute information. N'hésitez pas à nous solliciter lors d'un différent passage. Nous vous souhaitons un agréable voyage avec TGV Inouï. Voilà, donc on voit les imprévus. La coordination pour s'organiser pour les imprévus, c'est pas ça. Mais j'en reparlerai dans une autre vidéo. Sur ce, je vous dis bonne nuit et à demain dans un prochain vlog.